Vous n'allez pas le croire, les amis. Lady Synchronie. Elle va se produire en public aujourd'hui. Mais où le concert aura-t-il lieu? Ça peut être n'importe où dans le monde. Lady Synchronie pourrait même venir chanter dans ton jardin. La dernière fois sur son blog, elle portait un chapeau qui avait la forme de... La Tour Eiffel. C'était un indice. On met longtemps pour aller à Paris. Lucie, Lila, tu as vu l'interview qu'elle a donnée l'autre jour? Elle avait des palmiers juste derrière elle. Et on en trouve un. Hawaï. Qu'est-ce qu'on attend? Vous n'avez pas compris. Polly, excuse-moi de te le dire, mais tu ne connais pas Lady Synchronie aussi bien que nous. Je crois que je l'ai entendu chanter Sushi, Sushi, Sushi. Oh, moi, je suis une vraie fan. Je vais la rejoindre au Japon. Attendez, les filles. Polly. Quoi? Je ne t'entends pas. Je te rappelle au concert. Lady Synchronie. C'est Polly. Elle dit qu'elle sait où le concert aura vraiment lieu. Tu crois qu'elle a raison? Polly, on t'enverra une vidéo du concert qui aura lieu à Tokyo. Aloha, Polly, pas le temps de discuter. Et aloha, ça veut aussi dire au revoir. Alors, aloha. Allô? Allô? Il a raccroché. C'est vraiment pas juste. Pas de concert à Paris. Rien ici non plus. Il n'y a rien à Hawaï à part des cendres volcaniques. Salut les amis, si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous voudrez peut-être prêter l'oreille à Lady Synchronie. Lady Synchronie est géniale. Sushi, sushi, sushi. Pour notre aventure d'aujourd'hui, nous allons faire le tour du monde en 80 minutes. Pilote automatique, à toi de jouer. Je crois qu'on devrait tous sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Il est déjà trop tard. Et voici la ligne de départ. Génial. Kirsty, démarre le chrono. Accrochez-vous les amis. De s'écraser? Non, le pilote automatique croit que nous traversons un orage. Il essaie d'éviter les éclairs. Génial! Oh, Polly, si ça continue comme ça, tu n'arriveras jamais à temps. Nous devons tourner ce bouton sur le tableau de bord. Je crois que je peux l'atteindre d'ici. Lancez tous vos chaussures. 1, 2, 3. Quoi? Oh, oui, c'est vrai. Bien joué, Lila. Bien, j'ai encore le temps de faire le tour du monde en 80 minutes. Panne de carburant, préparez-vous à l'atterrissage. Le pôle Nord. Oui, c'est super, je sais bien, mais j'aurais pu y arriver, vous savez, s'il n'y avait pas eu ce problème de bouton. Polly, arrête, tu viens juste de faire le tour du pôle Nord. Ça veut dire que tu as fait le tour de la planète en moins de 24 secondes. L'aventure d'aujourd'hui, c'est course au tour du monde. D'aujourd'hui, Lila et Chrissy vont avoir une interview avec Kiyomi Chic cet après-midi. Kiyomi Chic est la journaliste de mode la plus célèbre du monde. Je vais ouvrir. Surprise. Oh, Kiyomi Chic. Oui. Chrissy, Lila, c'est pour vous. On n'a pas le temps, on doit se préparer pour... Kiyomi. Vous êtes en avance. Oh, ne me dites pas que le défilé de votre nouvelle collection n'est pas prêt. Si, une seconde, le temps de nous changer. Alors, tout va bien? Oh, j'avais demandé à Lila de s'assurer que nos nouvelles robes seraient livrées à temps. Oui, mais moi j'ai dit à Chrissy qu'elle devait le faire elle-même. J'imagine que personne n'a récupéré votre collection. Exactement. Oh, la mode, ce n'est pas sorcier. Bon, j'ai trouvé. Règle numéro 1 de la mode. Portez cette tenue avec assurance. Et voici votre nouveau look. Oh, pas question, je ne porterai pas ça. Il nous faut du renfort. Oh, un tutu et une queue. Est-ce que par hasard la mode serait aux froufrous et aux animaux et personne ne m'aurait rien dit? Personne ne vous a dit. Miaou. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à... On était en train de se promener dans le quartier. Quelqu'un nous a dit que c'était vous, les stylistes, qui aviez inventé cette miaounifique collection. Oh, je suis superbe, pas vrai? Croyez-moi, j'ai vu tout ce qui peut se faire dans la mode, mais je n'avais jamais vu ça. C'est formidable. Ça fera un article sensationnel. Miaou, très bien. J'adore rouler en pleine nature. Oh, wow, regardez-moi ces montagnes. Hé, hey, vous êtes là? Bien dit, Chrissy. Ils ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un endroit magnifique. Puisque c'est comme ça, dans l'aventure d'aujourd'hui, on aura une vraie aventure. Bonjour, Rick. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es perdue? On est dans un parc. Comment veux-tu que je me perde? Oh non! Nous sommes perdus. Comment pourrait-on se perdre? On est juste à côté du... On est perdus? Ah, qu'allons-nous faire? Continuons à rouler. On trouvera peut-être notre coin à pique-nique. C'est trop tentant, je ne peux pas résister. Les filles, c'est ici. C'est ici.
Les derniers promeneurs qui sont venus pique-niquer dans cet endroit ne sont jamais rentrés pour le dîner. Jamais. Je crois que j'ai entendu parler de cette histoire. Oh là, étranger. Si je dois me perdre ici, autant me perdre avec élégance et style. Lila, il nous reste encore du gloss. Un seul. Imaginez qu'on ne puisse plus jamais en racheter. Quoi? Combien de temps pourrons-nous tenir avec un seul tube? C'est une véritable catastrophe cosmétique. Eric, vous êtes perdu? Moi? Non, mais elle, oui. Je voulais juste trouver une aventure. Il ne me reste plus qu'une barre sur mon téléphone. Donne, je peux trianguler le signal. Oh non, ça ne marchera pas. Combien de temps vont-elles mettre à se rendre compte qu'on est toujours dans le parc? On leur dit? Non. 2, 4, 6, 8. Kirsty, on a réussi. Cette fois, la première rangée est à nous. Ce sera ma première fois sur les places de devant. J'ai peur, j'ai hâte, j'adore. Ça vaudra la peine d'avoir attendu si longtemps. Je sens que ça va être la plus belle des journées. Oh, pardon, on ne double pas. Il a doublé. Quelqu'un a doublé ici. Vous allez faire quelque chose, oui ou non? 2, 4, 6. Non, il va avoir la place de devant. Les deux places même. Eh bien, tant pis. Au fond, ce n'est pas très important. Si, c'est très important. La première rangée, c'est la meilleure. Pardon. Wow. Tu sais, mon ami et moi, nous voulions vraiment nous asseoir devant. Oh non. Ça s'est plutôt bien passé. Oui, je pars bien. Tu veux dire très très mal. C'est tellement fou que ça pourrait marcher. Tu permets? Que je te permets de quoi? Tu permets que je m'occupe de cette brute? Une bonne fois pour toutes. Et voilà le travail. Oh, reviens l'année prochaine, tu seras peut-être assez grand pour les montagnes russes. Sera meilleur quand on la coupe à l'eau de piscine. Hé, tu as vu mon plongeon? Oui, Polly, on a vu. Qu'est-ce que vous avez préféré dans ce plongeon? Moi, c'est le moment où tu étais sous l'eau. Le moment où j'ai fait la vrille avant d'entrer bien droit dans l'eau, c'était top, non? Polly a une énergie incroyable, on ne peut pas l'arrêter. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas arrêter. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à la faire accélérer, elle finira bien par se fatiguer. Oh oui, bonne idée, ça peut marcher. On lui demandera de faire tous ses plongeons de plus en plus vite. Elle finira bien par s'épuiser. Hé, Polly, tu sais quoi? On aimerait bien revoir ce plongeon incroyable en plus rapide si tu peux. Génial, j'adore avoir un public. Regardez ça, plongeon. Alors? Désolée, j'avais le soleil dans l'œil. Comment, vous n'avez rien vu du tout? Non, tu veux bien recommencer? Super plongeon extra tendance. Je crois qu'il faut que je me repose un peu. Enfin, un peu de calme et de paix. Ah, je suis de nouveau en pleine forme. C'est génial, une bonne sieste. J'y retourne, les filles. Et cette fois, regardez bien. Il ne faut jamais sous-estimer les ressources de Polly. Vertrouille bien mûre que j'ai fait pousser pour la grande foire aux tartes et 21 moules à tarte. Oh, il en manque un. Oh, je n'ai plus qu'à aller au magasin et acheter un autre moule. Mais qui surveillera les Obertrouilles pendant ce temps? C'est l'aventure d'aujourd'hui. Protégeons le potager. D'accord, mais surtout fais très très attention aux Obertrouilles. Ne t'inquiète pas, avec moi ton potager n'a rien à craindre. Tu viens de commettre ton dernier vol d'Obertrouilles. Une seule Obertrouille. Kirsty va devenir folle quand elle va voir qu'il n'y en a plus assez pour nourrir. Mais oui, bien sûr. Amène-moi l'engrais. Fais pousser vos légumes en un éclair. Celle-là, tu n'y toucheras pas. Ha ha. Alors, c'est qui le plus malin? Oh. D'accord, c'est toi. Polly! Kirsty, il faut que je te dise. Je ne sais pas comment tu fais tout ça, Polly. Franchement, ça me suffit.
matin hier. Bienvenue dans la cabane de Polly. Il y a de la place pour tout le monde. Vous arrivez juste à temps pour m'aider à décorer. Ce sera l'aventure d'aujourd'hui. Chacun construit sa cabane. Il y a assez de place ici pour faire un terrain de basket. Tu plaisantes? Cette cabane est l'endroit parfait pour faire une discothèque. Tu aménageras ta discothèque ailleurs. C'est l'endroit idéal pour construire un atelier d'artiste. Vous allez voir les expériences que je vais faire. Fais exploser tes horreurs si tu veux, mais loin de la table de ma salle à manger. Excuse-moi. On pourrait peut-être transformer cette cabane en refuge pour animaux. Qu'il y avait de la place pour tout le monde. Non! Si seulement nous pouvions avoir plus de place pour chacun dans la cabane. Mais oui, bien sûr. C'est bête comme tout, mais ça pourrait marcher. J'ai du matériel à commander. C'est ça ta solution? Maintenant, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Délicieux! Jouer au basket la tête en bas n'a jamais été aussi facile. Ah oui. Je devrais peut-être construire une deuxième... Oh là là, mais c'est chaud qu'on pourrait cuire des œufs sur le trottoir. Je ne quitterai le bord de la piscine pour rien au monde. Je suis si contente de ne pas être avec Rick aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il participe à un marathon de skateboard pour donner de l'argent au refuge des tortues. C'est génial. Pas si génial que ça. Il fait très chaud. J'espère qu'il va bien. Rick? Salut, Polly. Ça va? Le soleil ne tape pas trop fort pour faire la course? Non, ça va, mais je meurs de chaud. Enfin, je meurs pas pour de vrai, mais je suis en âge. Oh. Insolation? Non, il va bien, il parle toujours comme ça. Tu es sûre que tu veux faire cette course jusqu'au bout? Je n'abandonnerai pas. Les tortues du refuge comptent sur moi. Coucou, Rick. On est dans la piscine. On boit de la limonade. Les filles? Est-ce qu'elle a dit... limonade? Elle a dit... limonade? Rick? Limonade? Rick a besoin de nous. L'aventure d'aujourd'hui aide Rick à garder la tête froide. Qui est avec moi? Moi! Et moi! Je ne quitterai pas la piscine. Je ne partirai pas non plus. Voilà une excellente idée. Envoyez la limonade! Si Rick ne vient pas à la limonade viendra à Rick. À qui le tour, Lila? Qui, moi? Non merci, je l'ai déjà grimpé, je l'ai même fait deux fois. Tu n'y es pas allée une seule fois. Mais j'ai la lumière dans les yeux. Lila, ne sois pas si difficile. Je ne suis pas difficile, au contraire. Eh bien, dans ce cas, voici ton harnais de sécurité. Oh, je viens de manger. Oh! Dans notre aventure d'aujourd'hui, nous allons aider Lila à s'amuser sans se chercher d'excuses. Je ne vais pas pouvoir, Polly. Je suis allergique à l'escalade. Ah tiens! Je n'en crois pas un mot. Moi non plus. À quelle hauteur je suis maintenant? Environ 15 cm de plus qu'avant. Un seul faux mouvement et je risque de m'écraser en 1000 morceaux sur le sol. Je sens quelque chose sur mon visage. C'est une goutte de sueur. Ça va faire couler mon gloss qu'on me fasse de l'air. Tu as peut-être besoin d'autre chose tant que tu y es. Oh, eh bien, j'ai très soif maintenant que j'y pense. Je m'en charge. Plus de glaçons. J'ai besoin qu'on me remette du rouge à lèvres. Ça fait assez longtemps que je porte cette tenue. Quelqu'un peut aller m'en acheter une autre? Oh, j'en peux plus, je suis épuisée. C'est moi qui risque ma vie sur ce mur. Je tiens à vous le rappeler et il me faudrait une autre portion de frites pour me donner la force d'y arriver. Très bien, à trois, vous la chatouillez. Hein? C'est pourtant bien. Ah! Oh, le sol, mon sol adoré. Je pourrais t'embrasser, tu sais. Ça, tu devras le faire toute seule. Oh, dites les amis. Je vous ai déjà dit que j'étais allergique aux... Les dragées arrivent sur le tapis roulant, puis dans cette cuve de crème glacée et de miel. Les surprises gourmandes et glacées de Polly. Dans l'aventure d'aujourd'hui, nous allons essayer de rendre Léa heureuse. Mon collier! Je l'ai perdu! Il faut vite qu'on le retrouve. Oh! Changement de programme. Et Léa, à quoi ressemble ton collier? Il est ovale, à peu près grand comme ça, avec un rubis rouge vif. J'ai retrouvé ton collier, mais aucune trace du rubis. Il ressemble à ça? Ah, tu l'as trouvé! Non, pas vraiment, c'est juste une dragée de l'usine. Mais alors, ça veut dire que... on doit arrêter les dragées rouges! Ah! Cherchons le rubis! Mais comment va-t-on le trouver? Un rubis, c'est dur et les dragées sont molles! Passez-les!
On les a toutes pincées, le rubis n'est pas là. Que va-t-on faire maintenant? Arrêtez cette dragée! Si elle arrive jusqu'à la cuve de crème glacée, on ne la retrouvera jamais! Oh, mon rubis! Oh, il ne va pas y arriver, non! Je l'ai! Oh, oh, vous pouvez m'aider? Oh, alors, tu l'as? Tu parles de ça? Je le gardais pour le goûter. Délicieux. Oh, j'avais oublié de vous dire que c'était un collier de bonbons. Et les rubis rouges sont mes préférés. On a retrouvé le collier perdu. Qui veut de la glace? Oh, la glace.